tout le monde, c'est Landu, on se retrouve donc du coup pour la suite de l'aventure sur Weblogs. Alors nous avions une mission qui était là-bas la dernière fois. Alors on va y aller à toute vitesse. On était donc censé rencontrer notre contact de chez DedSec. On va voir pour qu'est-ce qu'il nous veut, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Ah, attendez, avant de... Je vais peut-être aller pirater l'antenne d'abord. Je pense que ça peut être utile. Oups, je pensais être pile poil bon, mais non. Alors, l'antenne, elle doit être en haut. Normal, hein. Donc du coup, il faut trouver soit un moyen de monter, soit des caméras. Pour le moyen de monter, je pense que c'est mort. À moins qu'on puisse passer d'un immeuble à l'autre. Ouais, par ici, par exemple. Hop là. Alors pour info, le criminel là, de l'escorte, je l'ai eu. Hein. Ça m'a pris d'ailleurs un peu moins de temps que ce que je pensais. Comment je peux faire pour grimper encore là? Ok. Alors il faut déconnecter ce système. Là, il y a une caméra qui donne pile poil dedans. Alors ça, celui-là, c'est fait. Au-dessus. Au-dessus, visiblement. Là-haut. Gagné! Allez, grimpe. Par ici. Nickel. Voilà, bon, ça donne juste l'emplacement des missions secondaires, hein, c'est pas... Ça c'est pour moi en off quoi. Allez, du coup on va aller à la mission maintenant. De temps en temps des contrats en ligne, mais je vais éviter, hein. Le trottoir, il est à tout le monde. Ouais, bah justement il est à moi aussi. Pour pas perdre trop de temps sur la quête, sur la trame principale en tout cas. Allez, là j'ai aussi un petit truc à activer. Oui, mais c'est à toi que je... Une fois j'ai vu un type rouler sur un Il me semble qu'il y a des cadeaux avec ça. C'était où, c'est où déjà ça? City Hotspot. Toc 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 toc. Badge. Ok, donc non, j'ai rien. Allez, on va changer de vie. J'ai souvent engagé Bad Boy et il a toujours protégé son identité. C'est comme ça chez DedSec. Et maintenant, il veut qu'on se voit. C'est pas normal. Je dois le déstabiliser, le faire parler. Et savoir ce qu'il prépare. Oui, dans les souterrains.
Boy. Hein? Bad Boy 17. Putain, c'est quoi ton problème? Bad Boy 17. Eh ben, c'est une bad girl. Clara. Clara. Tu fais plus que 17 ans. Je fais bad boy aussi. T'as surtout l'air imprévisible. Ouais, ce côté-là, c'est vrai que tu fais bad boy. Que ça te fait peur. Pourquoi? J'ai des raisons d'avoir peur. Là, tu deviens parano. Vraiment. Quelqu'un s'amuse avec ma vie. Menace ma famille. Et au même moment, ce mystérieux bad boy veut me rencontrer. Et le boy est une fille. Y a de quoi être parano. Écoute. J'ai besoin de te faire confiance, Clara. À ta place, je me ferai pas confiance non plus. Mais voilà une bonne raison de m'écouter. Le texto que tu m'as envoyé. Je sais où retrouver ce type. Okay. T'avais besoin de me voir pour dire ça ? La peine de se rencontrer pour ça. Non. On pense pareil. Il fallait se rencontrer pour ça. Tu voulais les codes de piratage de DeadSec ? T'as fait ça pour moi. Tu devrais être plus sympa avec moi. Parce que je peux changer ta vie entière. Pas la première à me faire ce genre de promesse. Ils font tout leur sale boulot avec ce truc. Et ils savent pas que j'y ai accès. Tu l'as volé. C'est très puissant, tu sais. Alors fais attention. Si elle fait pas partie de l'été que je pensais. Au pire. Ouais. Je crois que tu me fais pas confiance. Donne-moi une raison de te faire confiance. Ok. Le gars du texto, comment on le retrouve? On bosse ensemble. Toi, tu te mets sur ce que j'ai envoyé. Et moi, je repère son signal. T'es pas vraiment comme j'imaginais. Bah déjà, on imaginait un mec. Toi, par contre, t'es sans surprise. Aiden. En même temps, si je passe à la télé... Ok, j'ai encore pas le choix. Ok, j'ai accès à pas mal de trucs en plus maintenant, c'est que ça qui est cool. Alors, voyons, qu'est-ce que j'ai débloqué? Réduit le risque de détection quand vous courez. Prolonge les effets du focus. Cadence de tir avec tes pistolets, augmente la quantité explosive, ok. Et des dégâts infligés par les balles ennemies. Oh bah ça c'est très intéressant, hein, parce que... Combien de dégâts infligés par les explosions, ça peut être sympa. Les objets à semer le chaos, vider la ville à faire des économies d'énergie, mais attention, vous risquez de faire des étincelles, c'est assez classe quand même. Ok, pilule permettant de récupération instantanée massive du focus, bref. Bon, c'est pas le truc le plus ouf. Pètement des pneus, conduite hors route. Grosse récompense, clé système, ouais, ok, soit. Quantité d'argent obtenu, bah oui, ça m'intéresse à l'argent. Un emplacement de batterie encore en plus. Ah, puis j'ai plus de points. Enfin, si, j'en ai un, mais c'est pas suffisant. Du coup, si, là, c'est quoi ça? Le blackout, allez, go. Voilà. Salut. Je parle à Bad Boy, là, ou à Clara? Ouais, on va simplifier. Voilà. Bon, ça va pas être simple de remonter jusqu'à ton type. Il est malin. Il a réacheminé son adresse via une tour de bureau du CityOS. Service client, employé, cadre, ce genre de choses. Une tour de bureau. Faut qu'on arrive à accéder au système. Tu me fais entrer, et je te le retrouve. Je vais passer par la zone la plus vulnérable du bâtiment, là où ils reçoivent les livraisons. On dirait que c'est sous terre, dans le tunnel. Je vais essayer par là. Au fait, désolé. Pour ma réaction de tout à l'heure. Oh, t'essayais juste de m'intimider? Ta façon d'empiéter sur mon espace personnel, les regards, le contact physique... T'es un vrai cas d'école, toi. Tu cherchais des failles. T'en as trouvé? Ça, c'est mon secret. N'est pas bête, hein, quand même.
Ah bon, il est où le truc là? Je suis en train de faire tout le tour pour rien. Hein. Si, c'est bon, c'est là. Ouais, ça va jusqu'au bout. Nickel chrome. Petite cache d'armes, ça vous dit? Et hop là, encore des explosifs. Faut que j'aille où maintenant? C'est sous terre, hein, c'est bien ça qu'il a dit. Pousse-toi! Là, il y a une moto. Dites donc. J'ai comme l'impression que je vais en avoir besoin. Hein. C'est le moment de changer ma vie entière. Ok, je vais chez CityOS carrément. Quoi. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Si je te fais péter, t'es d'accord? Ça va exploser! C'était quoi ce truc? Patience. Voilà, quoi que j'aurais jeté une grenade là, je l'aurais tout su quoi. Là-bas, hein. Il y a quoi par ici? Un truc à récupérer, enfin un objet à ramasser en tout cas en bas. Restez sur vos gardes au cas où. C'est quoi ce truc? Hey, y'a quelqu'un? N'ayez pas peur les gens. Hmm.
Restez concentrés. C'est bon. Rien à faire. Là, j'ai vraiment autre chose à faire. Ouvrez l'œil, c'est bon. Ça c'est vraiment pas... pas pratique là. Oh oui! Bon, j'ai pas ramassé les objets, mais honnêtement, on en trouve partout, donc... Je suis dans l'immeuble. Tu vois quelque chose? D'après le plan, il devrait y avoir une cour intérieure à ciel ouvert. Et d'autres gardes, je parie. Les hacks que je t'ai envoyés sur ton téléphone. Y a pas mieux pour faire diversion. Tu peux t'en servir pour perturber l'équipement des gardes. Quel genre d'équipement? N'importe lequel. Téléphone, oreillette, explosif. Aujourd'hui, tout fonctionne à base d'électronique. Ok. J'essaierai ça. Tu pourrais scanner les bureaux? J'ai besoin d'un laptop non sécurisé. J'en tiens un. Bradley Coughlin. Oh non. C'est le directeur de la sécurité. Comme par hasard. Une fois le piratage lancé, tâche de faire vite. Tu traces l'appel et tu sors. La sécurité va vite détecter l'intrusion. T'inquiète pas pour moi. Hop là! Touche pas à ton téléphone quand t'es en mission, mec. J'ai eu une poste! Ça veut dire que j'ai une place de parking juste devant les labos X de Bloom! À moi les milliards de dollars! La science expérimentale! Ok, peut-être juste un peu. Oh oui! Qu'est-ce que je vois là? Oh non, laisse-le tranquille. Il est mort de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est votre faute. Fouillez le secteur. Cherchez-le, cherchez-le bien. Hop là. Y'a rien ici. Je bouge. Oh là, bye bye. Ouais. Nos soucis, hein, tranquille. Je veux rentrer chez moi. Je veux pas mourir. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça, encore des trucs? On fait de la manipulation mentale. Ah, j'aime pas ça. Je déconne bien. C'est cool ce truc-là, c'est super facile. Non, quelque chose me dit qu'il faut que je fasse ça comme ça. Voilà. Ok, un autre. Pour le plaisir. Visiblement il y a plusieurs possibilités.
Puisque je vous dis que c'est pas une simple pub. J'ai un globe oculaire gigantesque là, qui me bloque toute la vue. Oh merde, quelqu'un a piraté mon PC. Oh putain, verrouiller les issues, faut le retrouver. C'est bon, t'es connecté. T'arrives à tracer l'appel? Attends, je lance la recherche. Oh, merde! Les flics sont en route. Ils utilisent un scan qui va être super difficile à éviter. Faut que tu te tires de là. Et je fais comment? Rien ici, je vais voir là-bas. Y'a rien ici, je vais voir là-bas. Ça sent pas bon. Leave me alone. J'aurais peut-être dû partir ailleurs, je sais pas, on va voir. C'est bon, t'es connecté. T'arrives à tracer l'appel? Attends, je lance la recherche. Oh, merde! Les flics sont en route. Ils utilisent un scan qui va être super difficile à éviter. Faut que tu te tires de là. Viens pour moi, change de coin. Rien pour moi, change de coin. Cours, mec. Les flics me recherchent. Je vais pas pouvoir m'échapper. DedSec aurait pas un truc pour brouiller les scans? Attends. Oui, je crois que oui. Je l'ai. Je t'envoie ça tout de suite. C'est quoi ça? Ok, donc maintenant j'ai accès aux scans, ça fait cool. Dégage! Pas mal ça à remarquer, hein. Ah, leave me alone again. Fuyons. C'est difficile de regarder la minute en même temps que la route, hein. Ça, je vous garantis, hein. Poursuite contre le néant. Ah oui, j'ai cru que j'allais mourir. Je suis censé aller quelque part ou pas? Non, faut juste que j'attende. Fou. Il a perdu le contrôle. Quoi de neuf? T'as localisé l'appel? Marre de jouer au chat et à la souris. Je l'ai trouvé, ta souris. L'appel a été passé depuis un appartement du Loop. Pas trop tôt. Sois prudent, Hayden. La façon dont il a réacheminé le signal, c'est comme s'il voulait que tu le retrouves. Alors on va surtout pas le décevoir. Ok. Ici. Et vous savez quoi? Eh bien ce sera pour un autre épisode. Et ouais. Allez sur ce, à bientôt.